Hello, bande de rejets, ici le Matt. Et on se retrouve sur The Crew pour un petit placard Steam, comme j'aime les appeler. Ça veut rien dire, hein. Techniquement, c'est juste une façon d'appeler. Une présentation de jeu, hein, mais je trouvais ça marrant. Parce qu'on a tous, en tant que geek, fait quelques Humble Bundle pour ceux qui en dépensent un peu d'argent, qu'on fait les promos et les jeux s'entassent, qu'ils soient indépendants ou vraiment triple A, hein, comme celui-là en principe. Et donc j'aime bien faire partager ce contenu, hein. Plus il y aura de diversité, plus je serai content. Et donc on va faire ça un peu en détente, pas vraiment une présentation normale du jeu, on a déjà tellement assez parlé. On va rouler un peu, montrer les voitures, parce que j'en ai quand même pas mal. J'ai dû jouer 60-70 heures, donc il m'a bien tenu. Je n'ai pas trop d'avis négatifs sur ce jeu, je vous préviens, donc vous m'entendrez pas râler, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Je vais quand même vérifier que le son est pas trop mal record, parce qu'il se pourrait que je fasse de la merde, et je veux éviter ça. C'est tout bon, ça devrait aller. Alors, je sais pas trop avec quelle voiture j'ai envie de jouer pendant cette vidéo. Voilà, j'ai pris la Mini pour le troll, parce que ça fait partie des voitures un peu what the fuck-esque. Qui d'ailleurs est en vente, enfin on a pu l'acheter il y a pas si longtemps que ça. Je sais pas quand je sortirai la vidéo honnêtement, donc ça se trouve ça sera en décalage. Mais au début on pouvait pas l'acheter, je pense que c'était en vue du précommande, pack, et du coup... Oula, je fais n'importe quoi. Et du coup, ils voulaient garder un peu ce truc du premium, machin, du pack spécial. Sinon elle est un peu cheatée au niveau des reprises d'accélération, voilà, c'est un peu mon avis. Très bien. Alors, on va faire quelques courses. Je vais passer dans le QG si vous voulez voir un peu le bordel du garage. Bon, de toute façon, je jouerai au jeu tant que j'ai pas toutes les voitures. Donc j'en ai quand même déjà 110, donc une sacrée chier. Je crois qu'il y en a 147, je peux dire de la merde, mais mettez sur pause, hein, si vous voulez voir toutes les bagnoles. Mais bon, après, voilà, c'est pas sorcier. Hein. Je sais pas trop ce que j'ai envie de prendre. La dernière fois, j'ai joué avec certaines voitures, donc on va essayer de pas prendre les mêmes. On va prendre. J'ai envie de commencer avec une petite course de street. Et je pense qu'on va. On va peut-être choisir. Ah, ça peut être marrant, la Chrysler. J'avoue. Putain, la grande Cherokee. Il y a plein de voitures que j'ai pas montées encore. Hein, parce que flemme plus inutilité. Voilà. Donc je pense qu'on va prendre la. Allez, la Skyline. On va se faire une petite course de street. Je sais pas ce qu'on va se faire. Ouais, la Skyline un peu vanilla, mais bon. Hein? C'est plutôt sympa. Ah, je suis un peu fatigué, donc niveau conduite, il va peut-être y avoir des morts. Après, je ne garantis rien. Y a pas une petite mission de faction pas longue là, genre 5 minutes? Non, il n'y a pas 5 minutes. Très bien, madame. Bon, alors une petite mission de. J'ai aucune idée en fait, je vous avouerai. Genre, cette course, c'est quoi? La guerre des territoires. On essaye? Allez. Parce que je compte bien le compléter pas mal quand même. Je pense qu'honnêtement, en tout, j'ai dû faire 66 à 70% du jeu. Ce qui est déjà pas trop mal, je pense. Ah ouais, mais je crois que j'avais déjà fait cette course dans l'épisode d'avant. Bon, bah c'est pas grave, hein, vous aurez la version 2.0. Hein. A savoir qu'au niveau des changements, j'ai joué pas mal de temps. Ouais, ta gueule. J'ai changé, je suis passé du hardcore au sport. Le hardcore est sympa, mais il change peu de choses au final par rapport au sport. Et le hardcore propose des difficultés supplémentaires à drifter. Putain. Donc, c'est un peu triste, quoi, parce que c'est quand même sympa de faire des petits drifts. Et donc, du coup, de
Je sais pas. Ça me cassait un peu le gameplay, je trouvais. Voilà, en plus, j'ai pris une voiture assez réputée quand même pour le drift. Hein. La petite GTR, comme on dit. On dit plutôt la Skyline, mais bon. C'est pas une marque Nissan qui m'a beaucoup marqué, moi. Je suis plutôt vers les Amerlocs, moi, les bonnes vieilles Ford, les bonnes vieilles Dodge et Chevrolet compagnie. Mais bon, ça vous devez déjà le savoir si vous suivez un minimum. Bah tiens, on va parler un peu de la chaîne, parce que... Ah, ta mère! Je fais n'importe quoi. Ouais, elle a pas mal augmenté dernièrement, hein. Je pense, et je le dis honnêtement, Exas me regarde. C'est un peu dû au rafraîchissement que fait Pokémon, parce que c'est vrai que c'est un truc qu'on a vraiment jamais fait avant. Donc moi je trouve ça bien, hein. La diversité comme je disais tout à l'heure, hein, j'aime. Et je comptais un peu reprendre du service, mais l'école, ça commence à être chaud là. J'ai plus le temps d'avoir la flemme en fait. Donc si je voudrais, je pourrais faire 3 épisodes, enfin 3 vidéos par semaine, mais j'ai juste la méga flemme. Et le reste du temps, j'essaye de le passer à essayer de bosser. Alors, non pas que mes notes sont en péril, parce que j'ai des... Comment ça s'appelle ? J'ai quelques facilités qui me permettent de faire le flemmard. Malheureusement, c'est un cercle vicieux, mais bon. si je commence vraiment à faire de la merde, les notes seront en péril. Du coup, je vais éviter de faire n'importe quoi. Hein, surtout si je veux concrétiser la suite de mes idées. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Ouais, la chaîne a pas mal augmenté. On est bientôt... on a passé les 40 000 vues il y a pas longtemps. J'étais content. Je ne compte toujours pas faire ça sérieusement. Hein, c'est-à-dire que... À moins que d'un coup on ait 3000 abonnés en un jour, je ne pense pas me mettre plus au boulot. Hein. Donc, Osef, comme dirait l'autre. Hein. Merci le mec qui a pensé à cette expression. Hein. Je le bénis. Parce que j'utilise 26 fois par minute. Et du coup... on va laisser ça comme ça. Hein. Mais du coup, il y a un truc que je fais pas assez. Mais peut-être que ça pourrait servir. Peut-être vous inciter. Hein. J'ai regardé une vidéo là-dessus il y a pas longtemps sur les neurones. Comment ça marchait un peu pour le neuromarketing, tout ça. Donc voilà. Truc que je fais jamais dans les vidéos. Ouais, mettez un pouce vert, abonnez-vous. Ouais, peut-être. Mais apparemment, ça marche. Alors, je vais peut-être le faire un minimum. Histoire de rameuter un peu de monde. Hein. C'est un peu une maison, hein, la chaîne, c'est la casa. Les gens, ils viennent pas, c'est pas grave. C'est plus une communauté qu'une chaîne, pour moi. Enfin, j'espère. Même si, à mon avis, ça c'est pas du tout... Ah bah yes. On a gagné un peu. Attends, j'ai eu la médaille de platine. Ah d'accord. Ok. Ah ouais, mec. Tu déconnes, mec. T'as craqué ton slip, mec. Non, mais ouais, si d'accord. Ta gueule. Du coup, ouais, c'est cool. Parce qu'il y a, comment ça s'appelle, un achievement qui dit qu'il faut avoir toutes les missions du jeu, toutes les missions principales en platine. Bah, l'autre fois, je me suis fait un kiff. J'ai dit, regardez, le sud, j'aime la platine. La platine est dans la place. Voilà, tout simplement, je n'ai rien d'autre à dire. Si on se faisait une petite mission de dirt, ça peut être sympa. On va faire un peu de tout, hein, la vidéo, je pense qu'elle va durer 30-45 minutes. On va faire des petites choses sympathiques. Alors, j'ai quelques voitures de dirt. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va pas reprendre la Nissan. Ah, la Ford, je crois que je l'avais déjà utilisée. Donc, on va utiliser la Dodge Charger. Je l'ai designée en mode rallye. Parce que pour moi, dirt, c'est rallye. Ils auraient pu mettre rallye, ça aurait été pareil. Je pense que pour pas mal de gens, c'est comme ça. C'est logique. Je la prends à personne. En tout cas, si vous regardez cette vidéo que vous avez vous aussi joué au jeu, apprécié ou pas, mettez votre ressentiment si vous avez le temps, comme d'habitude. Hein, je ne force pas. Hein. C'est quoi cette bagnole d'ailleurs à droite là ? Est-ce que c'est la... Ce serait la Porsche ? Merde. Je fais n'importe quoi déjà. La Porsche... je l'appelle Carrera, j'y peux rien, même si c'est même plus une Carrera en vrai, je crois. La 3700K qu'ils appellent la rue. D'ailleurs, je trouve que c'est un peu con, mais bon. Ils ont été contraints, apparemment, de faire comme ça.
Tenez, on va changer de vue parce que je kiffe la vue intérieure et en dehors ça rend quand même pas mal. Bon, je trouve que ça rend mieux en circuit, honnêtement, mais bon. Mais bon. Et ce que j'aime bien avec cette petite vue, c'est que t'es au calme, t'as le son, il est changé, t'as l'impression d'être dans ta bulle. Et des fois, tu vois, t'as la. Bon, alors là, j'ai enlevé la musique, je vais peut-être la mettre. Bon, je vais la mettre maintenant, tu sais quoi. Je vais la mettre parce que déjà, de un, je me fous des copyrights. Parce qu'il faut juste les accepter. Je vais pas la mettre trop forte par contre. Bon, ça se trouve, vous l'entendrez quasiment pas, mais parce qu'avec le bruit du moteur et tout. Mais bon, ça donne une petite ambiance, un fond sonore qui est sympa. Et vous avez cette petite musique là d'ailleurs sur cette radio. Je sais pas, vous devez pas l'entendre, mais bon, ça fait un peu un truc, les machins cinématiques là. Et c'est vrai que ça donne des. Des fois, vous êtes en état de stase comme ça, et vous regardez le jeu, je dis ouais. Vous avez l'impression d'avoir fumé un joint. Alors ça c'est un autre problème. Comment ça vous arrive pas? Comment ça c'est moi? Mais bon. Franchement, moi après y avoir joué 70 heures, déjà un, je regarde pas du tout mon achat parce que je l'ai acheté 30 € sur G2A, merci G2A. Du coup j'ai économisé 20 à 30 € sur la plupart slash des autres consoles slash des autres prix de vente. Hop, petit slalom autour de l'arbre. Et deuxièmement, si j'y joue aussi longtemps, c'est parce qu'il m'a bien plu le jeu. Il y a quelques défauts qui sont qu'on retrouve dans pas mal de jeux. Et il y a quelques trucs qui sont en plus que vous ne trouverez pas dans les autres jeux. C'est vraiment un. Pour moi il a eu un départ un peu chiadé. Avec le multi qui marchait pas pour tout le monde, enfin je sais pas si vous avez été touché par ça, hein, j'espère pas, mais. Et je trouve qu'ils se sont bien améliorés, et je trouve qu'enfin, là, à peu près quand je sors la vidéo, le jeu commence. Je trouve que le jeu, il est parti, ils l'ont lancé, il commence à y avoir des trucs un peu spéciaux sur le. Des activités, des réductions, des trucs. Je trouve que le jeu commence un peu à partir. Pour moi, tel un MMORPG qui devrait être de par son nom, enfin de par les éditeurs l'ont dit, un MMORPG pour moi c'est en totale construction, il y a toujours des mises à jour, du contenu, enfin, pour moi il est loin d'être fini, donc c'est une connerie d'y avoir joué autant parce qu'il valait mieux attendre sur la durée, les nouveautés, tout ça, je pense, hein, j'ai fait le con, hein. Mais bon, j'ai pas pu me retenir, moi les jeux de bagnole ça m'a toujours plu. Avoir un espace ouvert aussi grand, avec des paysages qui sont jolis quand même, des graphismes qui tournent bien, et puis quand même qualité de conduite qui est pour chaque voiture assez propre. Enfin, c'est franchement, ils ont pas bossé n'importe comment, quoi. Je sais pas. Et je trouve que pour tous les bugs qu'il y a, tous les trucs qui vont pas. Je pense que les gens sont pas assez indulgents, ils ont passé quand même 7 ans dessus, enfin je veux dire les mecs sont pas branlés quoi, tu vois qu'il y a eu du boulot. Je pense qu'en fait au fur et à mesure on attend de plus en plus, parce que le problème avec Ubisoft, c'est ça le problème, c'est pas qu'ils sont mauvais leurs jeux, enfin bon, y a des fois ils font des bourdes, mais ils ont la capacité de vous mettre la hype, mais la hype hein, quand tu vois le premier trailer de The Crew, mais moi il y a 2 ans, il y a 2-3 ans, je sais plus quand il est sorti le truc. Comme dirait l'autre, j'avais la bite à la main. J'étais, putain, je veux jouer à ce jeu. Parce que la cinématique est magnifique, donc ça, c'est implicite. Parce que tu te dis, ah ouais, mais ça va pas être comme ça dans le jeu. N'empêche que ça joue sur toi, ça joue sur l'épicness du truc. Toi, t'es comme ça, t'es waouh. Quand ils font des. Après, quand ils montent les styles de voitures et tout, moi, je m'étais pratiquement rien spoil. Quand j'ai découvert en jeu, j'ai encore plus kiffé, mais. Le problème, c'est que quand on se met trop la hype, on s'imagine des trucs qui vont jamais être dans le jeu ou des trucs qu'on extrapole dans notre tête, et après, bah, c'est sûr que ça sort pas vraiment comme ça devrait sortir, quoi. Bon, allez, on va se faire un peu de circuit. Putain, par contre, c'est chiant la nuit. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on va prendre comme bagnole? Alors, circuit, j'ai un peu de choix. Je sais que la Ford est super à jouer, mais
J'aimerais bien prendre ma voiture préférée, j'avoue. La Dodge est sympa aussi. Putain, mais là. La Dodge, elle a vraiment un truc au-dessus du lot, quoi. Je sais pas pourquoi ces deux bagnoles là, la Dodge Challenger, la Challenger et la celle-là, elles ont des capacités qui sont bien plus que les autres, j'ai l'impression. Mais bon, j'ai bien envie de prendre. Allez, va bon pour la Corvette. J'adore cette bagnole. Que ce soit la vieille ou la jeune. D'ailleurs, j'ai vu qu'elle y était dans la vieille, était dans le DLC du, dans les prochains DLC. Mais d'ailleurs, j'ai pas acheté le DLC, j'hésite encore un peu. Je me dis, est-ce que ça vaut la peine de dépenser 30 euros pour 12 voitures de plus? Je sais pas. J'hésite franchement. Qu'elle soit mythique ou pas, je sais pas. Le doute se pose. La question se pose, le doute s'installe du coup. Mais je sais pas. Je me pose un peu cette question. Enfin, si je... Je sais pas, j'ai... J'ai peur en fait d'avoir le DLC et de pas y jouer après. C'est con hein, mais je me dis que je vais sûrement me lasser après avoir joué. Bah, je pense qu'à 100 heures quand même, je vais bien me lasser un moment quoi. Donc je sais pas. Je me pose ces questions. Si j'arrive à le choper moins cher, alors là c'est sûr que je le prends. Genre à 20, 20, 10 euros, 10 ou 20 euros, là c'est bon, je le prends. Mais sinon, ouais, je sais pas. Sinon je suis un peu mitigé. Oula, j'ai fait le con un peu là. J'ai un peu abîmé la voiture, Brigitte, c'est pas grave. Vas-y gros, roule ma poule. On va changer la radio. Ouais, parmi les défauts, je les ai pas dit tout à l'heure parce que je passais vite dessus. Je trouve que la vitesse est pas super bien représentée. Alors certes ça va vite, mais quand t'es à 100, t'as l'impression d'être à 50 en vrai. Enfin, je sais pas, mais faites le parallèle, mais je sais pas. Il y a très peu de jeux où, bon, c'est normal, sinon la map devrait être, je sais pas combien de fois plus grande, mais il y a très peu de jeux où où la vitesse est bien ressentie, je trouve. Si Burnout, je trouvais que, bon, je sais plus s'il y avait, ouais, s'il devait y avoir le compteur. Burnout, je trouvais que ça allait vite quand même. D'ailleurs, il y a pas mal de crash dans Burnout parce que il y a un moment où tu contrôles plus. c'est hors des limites, hein, c'est comme ça. Mais ouais, je sais pas. Il n'y a pas vraiment un jeu où les kilomètres te font vraiment triper comme ça, je sais pas. Et je réfléchis, hein, j'en ai fait pas mal des jeux de bagnole. Des jeux de bagnole du style que j'aime, hein, c'est-à-dire en général assez open world. J'aime pas trop les réalistes. J'aime pour les autres spécificités que ça apporte, à savoir la mécanique, tout ça, c'est j'aime bien. Mais c'est moins mon style dans le sens où t'es dans un circuit, t'es clos. Je trouve que c'est beaucoup moins fun. C'est, au niveau du gameplay, c'est vachement bien, mais au niveau du fun, c'est moins cool, je trouve. Donc voilà, mais bon. Ouais, je vois pas vraiment beaucoup d'autres jeux dans ce style où c'est bien fait. Sinon, dans les défauts, bon bah alors c'est un semi-défaut parce que techniquement tu te dis qu'ils peuvent pas faire autrement et les autres jeux ont fait la même chose, mais bon, on s'en est moins plein. Enfin, quand je dis les autres jeux, l'autre système qui est semblable à The Crew au niveau des multi, au niveau du multi, c'est Need for Speed Rivals. Où t'as 8 personnes aussi dans un... Merde, oh, je fais n'importe quoi. Où t'as 8 personnes dans un serveur, hein. Merde, oh. Attendez, on va pas rater la mission, d'habitude je la perfecte celle-là. Bon, en même temps je parle, hein, c'est le syndrome de je parle donc je tombe. Enfin, je tombe dans un jeu de plateforme, là, pas vraiment, mais... Voilà, hein, ralenti... Ouais, les drifts sont bizarrement gérés en fait, je trouve. Bon, là je fais n'importe quoi. Les drifts sont bizarrement gérés sur certaines bagnoles. C'est des bagnoles, ça va tout seul. Genre la Skyline, ça part tout seul. Les petites voitures, les petites tractions, genre la Focus, ça part tout seul, je trouve. La Cooper, je sais pas si c'est une traction. Et puis t'as des bagnoles, mais alors pour drifter, faut y aller. Hein. Soit elles te tiennent la route,
et tu bouges pas. Soit. Soit comment ça s'appelle soit tu fais à peine un petit truc et tu pars en drift. Genre la rue. La rue CT3 là. Qui est une espèce de spider, je sais même pas ce que c'est en vrai. Je dis ça au pif. Hein. Parce que je l'ai jamais vu en vrai. Ouais, celle-là, putain, tu tournes, tu dérapes. T'accélères, tu dérapes, tu dérapes tout le temps. Hein. C'est non-stop. Mais celle-là, je l'aime bien pour les dérapages, elle est assez sympa. Bon, là, faut faire gaffe à la vie, du coup, je prends pas trop de risques, mais. Mais sur les bonnes grosses courses de 1 heure, 1 ou 2 heures en circuit, j'aime bien passer à fond en drift. Bon, en même temps, je fais ces missions, ça m'apporte un peu de sous. Hein. Vous pensez bien. Je me suis pas intéressé du tout au joueur contre joueur. Ah, roulé à plus de 332. D'accord. Merci, Léo Fay. Que j'ai pas mal complété aussi. Hein. Bon, vous voyez, hein, je suis à la moitié à peu près pour l'instant dans Léo Fay. Alors, il y a combien de voitures général. Bon, les statistiques sont complètement buggées. La preuve, regarde, total de bugs gagnés, 211 000, c'est simple. La dernière voiture que j'ai achetée, c'est la Aston Martin Vantage. Elle coûte rien qu'elle, coûte 200 000. Donc toutes les autres, enfin voilà. Donc les statistiques sont complètement buggées, pour la plupart des gens d'ailleurs. Voilà, n'importe quoi. Temps, bah oui, 82, oui. Étant donné que j'ai joué une journée entière, une fois, je sais pas comment je peux jouer que 4 heures, mais bon. Ça par contre c'est pas buggé. Donc, vous voyez dans le sud j'ai quasi tout complété. Le hat, il y a deux missions où j'ai pas fait la platine, c'est quoi ce bordel? Ça c'est pas mis à jour par contre. Attendez. Wow, j'ai arrivé là, est-ce que vous voyez du bronze ou de l'argent vous là? Ouais, bon il a dû craquer son slip le machin. C'est pas grave. Je disais, je sais plus. Les challenges en ligne aussi, je sais pas si c'est normal ça, mais bon, bref. Donc, qu'est-ce qu'on peut se faire? On a fait du ça, du street, du machin, il nous manque du ride et du perf. J'aimerais bien faire un peu de chaque avant la fin. Perf, il y en a une là. Sens de l'observation, c'est une petite course. Je me demande quelle voiture je vais prendre. Attendez, il est quelle heure? On va peut-être faire un 2h18. Bougez pas. On va tester un truc. Est-ce qu'il y a un truc de train ici, s'il vous plaît? Ou, je sais pas, un avion une connerie, c'est juste pour faire passer. Ah si, si, là, il y a une mission en bronze, ils ont raison. Ah, du coup, la mission en argent, elle doit être cachée pas loin. Donc, c'est moi qui dis de la merde. Attendez. L'aéroport, c'est ça que je cherchais. D'accord. J'ai mis ce clic, désolé. Ah non, mais là, il va me TP au milieu de l'aéroport. Moi, je veux pas être au milieu de l'aéroport. Ah non, c'est bon, il m'a bien mis. Alors... Donc, normalement, si je me souviens bien, quand on utilise. Parce que je l'ai utilisé qu'une fois à l'aéroport depuis le début du jeu, donc techniquement, voilà. Est-ce que ça marque l'heure d'arrivée? Non? Bon, admettons. Admettons, on va là. Non, là, c'est pas assez loin. Bon, là, on va dire que c'est bien, vas-y. De combien de temps ça fait passer le jour? Putain, le train il est trop swag. Je sais pas si je pouvais le passer. J'aurais bien aimé. Et dis-moi qu'il fait jour, qu'on puisse faire cette course posément. Il s'est écoulé 1 minute. Donc, ce que je disais, c'était de la merde. Donc, je pense que je vais acheter une corde. Hein. Connaissez la suite. Ah putain, je suis quand même bien fatigué, je suis désolé. Non! Bah voilà, hein, on va passer de la corvette à la corvette. Désolé, je vais devoir la... je vais devoir la... l'arrêter. Allez, passe! Oui, etc. Machin. Très bien. Merci. Non, allez. Oh, ils font chier, hein. Non. Non, et non. Voilà. Ils s'y partent quand même, les mecs, ils en battent les couilles. Ils ont pas compris. Alors, quel on va prendre en perf? Parce que j'en ai quand même un paquet.
Ah, la rue, ça peut être sympa, la petite Porsche. Ou ça aussi, ça peut être marrant, le 4x4, tu me diras. Ouais, je sais pas. J'hésite un peu. Il y en a pas mal que j'ai monté, hein, comme vous pouvez voir. Mais il m'en manque quelques-unes quand même. Il y a Impala, j'ai vraiment envie de la monter, faudrait que je le fasse. Elle est un peu lourde, mais bon. Ben, vous savez quoi, on va jouer avec la Forge GT. Et on prendra la Rift plus tard. Allez. Quoi qu'on aurait pu peut-être demander aux autres s'ils voulaient la faire. Ouais, je suis un peu con. Ah, mais c'est bien, oui, je suis con. La course, elle remet une heure précise. Donc, ouais, je. Ouais, on est deux jours. Alors, je trouve la Ford GT, elle a vraiment. Enfin, quand tu débutes, c'est vraiment la bagnole, un bon rapport qualité-prix, même si je l'ai pris il n'y a pas longtemps, je pense. Mais elle a une tenue de route qui est assez incroyable quand même. Et elle est assez rapide. Donc, c'est du bon quoi. Bon, je vous préviens, c'est pas une conduite de pro ni une conduite propre. Il va y avoir du bourrage et du coupage de fromage. Mais bon, ceci ne nous regarde pas. Alors, on fait des petits drifts au calme. Allez, à fond, à plus! À plus, à plus. Oh non! Ça, c'est con comme erreur. Là, ça va pas trop mal jusque-là. Par contre, ouais, y a un truc que j'ai trouvé bizarre quand même. Alors, soit les gens se battent complètement les couilles des défis. Soit je comprends pas qu'à chaque fois que je fais un défi à peu près en platine et tout, j'arrive dans les 2000 premiers. À chaque fois, à tous les coups. Alors, soit il y a que 2000 mecs qui font les trucs. Du coup, bah, c'est bizarre quoi. Enfin, je sais pas comment ça se passe, mais. Bon. Oui, je me pose des questions comme ça. Et c'est vrai que j'aimerais bien compléter tous les défis en platine. Bon, ça doit pas être très long, ça doit prendre, je sais pas, 6-10 heures, un truc comme ça. Comme ça, je monterai toutes mes voitures à peu près au niveau 1000. Pour moi, ouais, je les monte jusqu'au niveau 1000, ça me va très bien. Tiens, regardez, on va mettre un petit coup d'intérieur. Parce que c'est stylé l'intérieur aussi. Oula, 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 oula. Oula, 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 oula. Là, il y a sortie de route, madame. Ça, c'est inadmissible, madame. Ouais, dommage qu'ils mettent pas les rétro. Enfin, bon, ça a été déjà évoqué dans pas mal de trucs, mais en option en fait. Je pense pas que ça leur est venu directement à l'esprit, ou alors soit ils ont essayé et ça a foiré. En tout cas, il y a eu un sondage assez sympathique avec tous les trucs qu'on pourrait rajouter. D'ailleurs, j'ai mis mes trucs hein, personnellement. Et franchement, il y a des bonnes idées. Genre par exemple enlever le compteur quand on est en vue intérieure pour vraiment se servir de la vue intérieure. Par qu'elle serve à rien quoi. Oula oula. Ouh, pas mal. L'autre il s'est pris. Quoi? Eh oh! Eh, on double pas comme ça monsieur hein. Putain l'autre. Il m'a grugé quoi. Elle est où ta carte grise? Le mec il roule en sens inverse. Putain, en parlant de ça, faut que je passe le code, ça me casse les couilles. Si vous aussi, ça vous casse les couilles de prendre le code. Si vous aussi, vous avez une logique différente que celle des questions du code et que ça vous casse les couilles. Parce que ça, j'ai remarqué, il y a deux sortes de personnes qui passent le code. Il y a les gens qui disent, oh bah, moi j'ai pas le problème, ça va nickel, j'ai fait 5 la première fois que je l'ai fait. Donc, ce qui est à dire, pas du tout mon cas. Et putain, les autres, oh putain, j'ai appris le livre, je l'ai lu 22 fois. Je fais toujours 18 fautes à chaque coup. Ça c'est plutôt moi. Non, je fais pas 18 foot à chaque coup, hein, mais j'ai jamais été bon pour ce genre de questions et franchement, ça va pas en s'arrangeant. Hein. Bon ça va, sinon je conduis pas trop mal. Je trouve la vue intérieure vraiment immersive. J'ai d'ailleurs hésité à acheter avec Dartmouth. On se posait des questions. J'ai failli hésiter à m'acheter un volant quoi, pour l'occasion. Parce que c'est vraiment kiffant, à l'époque j'en avais un sur PS1, un jeu qui s'appelait FIFA. Bah oui, FIFA, vas-y, joue au volant à FIFA. Vas-y, putain, vas-y, comment on fait une passe? Non, sans déconner, pour jouer à Formula 1 98.
si vous aussi vous avez eu ce jeu. Enfin moi c'était plutôt à mon père, mais bon, je suis né avec une manette dans les mains, hein. Je jouais à Tomb Raider dès que je suis sorti du ventre de ma mère. C'est carrément terrible, mais bon, moi c'est comme ça. Du coup on aura fermé un petit peu les sous-sous, hein. Il nous reste quoi, on a 30 minutes. Ah, on va faire une petite mission de raid. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, mais ils ont enlevé la mission. Oui, bon, en même temps, elle était trop facile. Je pense qu'on va se balader, genre 5-10 minutes. Ou alors, on se fixe un objectif. Je sais pas, moi, on fait des trucs. Ah, j'ai une idée, mais c'est complètement con. Ouais, c'est complètement con. On pourrait s'organiser un mini road trip à l'arrache. Dans une zone sympa. Ça peut être pas mal aussi. Genre on se met on part de Los Angeles et on va à San Francisco. Bah ça me paraît un bon plan. On se met là, regardez, hop. Bel Air. Il y a une rue qui s'appelle comme ça chez moi. La rue Bel Air. Le mec. Et on va se passer un petit truc à San Francisco. Bon, ça se trouve, j'arrêterai avant, je le dis déjà. Mais c'est histoire de. Au fait, tout à l'heure, j'ai pas parlé du scénario, hein, parce que pour moi, c'est pas du tout important dans ce jeu de voiture. Le plus important, c'est les voitures. Quoique les cinématiques étaient belles, faut l'avouer. Par contre, en cours, on se fait ça en street, en perf. Bah, on va prendre la petite rue, j'avais envie de la prendre tout à l'heure. Voilà. J'adore cette petite voiture, je sais pas, je la trouve dynamique. Elle est simple, sportive, je sais pas. C'est du bonheur. De toute façon, j'aime la plupart des voitures. Hein. Il y en a quelques-unes que j'aime pas trop, genre la Golf. C'est pas mon kiff, je suis désolé. La Chrysler, pas mon kiff non plus. Le Cherokee là. Non, pas le Cherokee, le Silverado. Il sert à rien pour moi. Mais bon, parce qu'il a ni des bonnes stats, ni des. Bah, je sais pas, il a rien en fait. Il a rien pour lui. Je sais pas. Il y a aussi la BM5, je crois. Il me semble qu'elle s'appelle comme ça, S5, ou je sais plus laquelle c'est. Il y a une Mercedes que j'aime pas trop. Bon, elle est pas mal, mais la SL, là, je sais plus quoi, la SL. Elle est pas mal, mais par rapport à la SLS, elle est un peu inutile. Voilà. C'est mon avis. Et je trouve que c'est vachement sombre. Hein. J'espère que ça sera pas trop sombre pour vous. Yolo. Ah merde. Oh merde. Ah, je me rappelle une fois, il y a eu une course comme ça de faction. J'avais pris le saut, je voyais les gens en bas, c'est n'importe quoi. Bon, allez Roger, il s'est passé du temps. Entre la petite coupure, hein, comme d'habitude, j'ai la fâcheuse manie et tendance à me faire couper quand je dois finir. Donc on va faire ça tranquillement. Avec une autre voiture, hein, parce qu'entre temps j'ai un peu joué. Je me suis amusé à monter la petite Vantage. C'est assez sympa à conduire. Oula, j'ai eu un bug manette là, c'était assez bizarre. Donc on va aller jusqu'à San Francisco, hein, sans le GPS, on verra bien où on arrive. Hein. Je vais pas faire trop long, je pense. Je vais essayer de faire dans les 3 minutes. Dans les 3 minutes qui viennent, 3-4 minutes pour clore ceci. Oula. C'est la conduite de merde.com là. Je repense ça, c'était juste, je voulais faire une fin digne de ce nom et pas couper à l'arrache. Hein. Je sais même pas où on est par rapport au temps d'avoir regardé quand même. Ouais, on va quand même mettre un petit point. Voilà. Non! Ok. Quel con. Bon, on devait être par là. Oui, je sais, je m'avance, je suis désolé, je fais n'importe quoi, mais bon. On va se mettre là. Et on va se faire le petit bout de route là qui a l'air bien sympa jusqu'à San Francisco.
Inhumaine direct? Non. Bon, on va se... voilà, établir destination, s'il vous plaît. Puis on va prendre une autre voiture, une voiture un peu plus rapide. Enfin, elle est déjà pas mal, hein, mais on va prendre du circuit, je pense. Allez, on va prendre la Dodge. Ou... ouais. Ou je sais pas, ouais. Je l'avais designé comme ça, mais en fait, la Nissan est plus stylée, je pense. Voilà, c'est un peu le... un style un peu particulier que j'aime bien. Ouais, celle-là, j'y ai passé un tout petit peu d'argent. Entre le sticker, ce qui doit coûter 30 000 de dollars, et les roues 20 000. Oula. Même si c'est pas ma voiture préférée, il fallait que je japonise une bagnole. Et puis comme c'est une japonaise, hein, autant faire une pierre de coup, comme on dit. Par contre, ils disent que je vais pas dans le bon sens. Est-ce que... bah, ça y mène, je vois pas le problème. Ouais. Je vois pas le problème. Ou sinon, j'ai une solution alternative pour le chemin. On va voir après. Je pense qu'on s'amuse à faire des petits drifts. Même si en montée, c'est pas super flagrant. Mais bon. Hop. Allez. Là, on pourrait éventuellement... bien éventuellement prendre la raid et couper à travers. Oula, je fais n'importe quoi. Ah, c'est joli là quand même. Ça, il y a un beau petit panorama sympa pour finir. C'est sympa, ça, j'aime. Ouh, j'ai abusé. Ouais, j'ai abusé. Regardez ce qu'on va faire. On va prendre la Mini Cooper. Dirt. Et puis on va couper à travers champs comme des débiles. Yolo! Vous aussi éclatez votre Mini Cooper. Elle est marrante cette petite Mini. En fait, elle a rien d'une Dirt, mais bon. Mais bon, elle tient bien la route hein, quand même. Il faut dire ce qui est. Putain, l'interface à l'intérieur et tout. Putain, le compteur comme il est décentré. Je sais pas si c'est comme ça en vrai, mais bon, c'est un peu bizarre. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Mais non, t'as rien vu. Pour finir... parce qu'on pourrait prendre. Allez, pourquoi pas la haute route. Je sais pas si je l'ai déjà pris dans la vidéo, ça fait tellement longtemps maintenant. Voilà. J'ai pas trop design plus que ça au niveau des couleurs stickers, mais bon. Mais non. T'as le bruit. Oh là là. Ah, j'ai pas fini d'y jouer à ce jeu, je pense. Hein. Il va falloir farmer encore un peu. Je pense que je vais le laisser reposer un moment, histoire que les développeurs changent 2-3 trucs. Et que la communauté soit un peu plus présente. Non pas qu'elle l'ait pas assez, mais bon, je sais pas. J'ai l'impression que ça manque d'idées et de créativité, quoi. Bon, sinon, on est loin ou pas? Ah, on est pas loin. On prend à droite et on y est. Donc, du coup, c'est bientôt la fin. J'espère que vous avez apprécié le petit moment de détente slash découverte. Si vous avez jamais vu le jeu, mais à mon avis, ça m'étonnerait. Parce que vous devez avoir vos petits abonnements... avec qui vous regardez les vidéos. Oula, ça fait un beau saut, ça, faut que j'y vais à fond. Là. Vous devez déjà connaître, mais bon, si ça vous a apporté un peu plus d'idées de quoi que ce soit, n'hésitez pas à laisser un com ou mettre un petit pouce bleu, comme on les appelle, et comme je les appelle pas du tout, parce que je m'en sers jamais. Et si jamais vous êtes en extase, pensez à vous abonner, ça peut être sympa.
Voilà. Après, libre est votre choix. Je ne le considérerai pas beaucoup. Voilà. Sur ce, je vous dis à plus les Rogers. C'était le Matt.